Animatrice populaire auprès du grand public, Karine Le Marchand fait l'objet de nombreuses rumeurs. Chaque année, des médias l'accusent ainsi de se comporter comme une diva sur le tournage de L'Amour est dans le Pré et d'être moins sympathique dans la vie qu'à l'écran. Dernier en date, le magazine Public a écrit dans un récent article que l'animatrice incontournable de la 6 était pénible avec les équipes et faussement amicale avec les agriculteurs. M6 a une nouvelle fois démenti ces accusations. Profitant de la conférence de presse organisée lundi pour la nouvelle saison de La France a un incroyable talent, Guillaume Charles, le directeur des programmes de la chaîne, est sorti du silence pour défendre Karine Le Marchand. Ce sont des propos dénigrants et non fondés, a-t-il notamment affirmé tout en reconnaissant que la présentatrice de L'Amour est dans le Pré avait son caractère. Mais elle a une grande sincérité. Quand elle aime, et quand elle n'aime pas. Peut-être qu'elle l'exprime parfois un peu trop, mais personne ne peut lui enlever sa sincérité, a-t-il ajouté. On voit à quel point Karine est impliquée, avant, pendant et après les tournages. C'est aussi ce qui fait qu'elle a tant de succès et qu'elle est l'animatrice préférée des Français, a-t-il poursuivi en évoquant la vague de soutien des agriculteurs et des personnes qui participent à ses émissions. Après la publication de cet article, de nombreuses figures de L'Amour et dans le Pré sont en effet sorties du silence pour défendre leur tata caca. Oh, archi faux. Elle a son caractère comme tout le monde, et c'est très bien qu'elle en ait. Elle est d'une gentillesse et d'une douceur incroyable, ont par exemple écrit Mathieu et Alexandre. Clara Colonni.